Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Mettez courant dans tout pays, ya. C'est une préoccupation président République Jovenel Moïse. J'en ai toujours dit, dans tout discours, il n'y a pas de développement sans courant. Sous point ça, déjà il y a plusieurs villes qui bénéficient du projet courant 24 sur 24 là, Synapsité, Ville Fort Liberté qui est dans le département nord-est PIA, Jérémy, Marchand des Salines qui est dans le département Lortibonite. Comme ça tout, il y a une ville qui peut avoir accès à poteau électrique qui recevoir poteau Payoa. En point exemple, Zile Kaimit qui est dans la commune Corail, dans le département Grandance PIA, lui-même tout bénéficier poteau électrique Payo après Saint-Raphaël, dans date 14 mars 2021. C'est avec un pile contentement, habitants sous Zilea, recevoir poteau électrique Sayo qui prend le bail courant sous Zilea. Pendant, ils ont profité mettre ensemble pour débarquer poteau électrique Sayo. N'a pas souligné, projet courant 24 sur 24 dans tout pays, a président républicain a prôné, j'en ai toujours dit, c'est pas une promesse, mais plutôt, un engagement li prend devant peuple là. Avant, nous commençons à parler, n'a pas dit, président de la République, merci, parce que li fait nous joindre un don pour nous joindre une possibilité pour nous gon bulldozer dans menou là grâce avec magistrat Jude Edouard Pierre qui te fait demande là pour nous mais il sorti dans l'état central là nous pas capable dire président merci parce que les ban nous bulldozer pour nous travail pour nous faire route en terre battue et nous gagnons une organisation tout qui les Haïti chéri qui travaille ensemble avec nous qui ban nous possibilité pour nous mettre gaz chaque semaine les toujours voyer un maximum de gaz ban nous pour nous travailler, pour nous continuer à couper route. Mais avant, nous continuer à parler, nous avons dit, président, pensez avec la commune Kafou. Parce que la commune Kafou est trop collée avec Port-au-Prince pour nous vivre dans l'état où nous sommes là aujourd'hui. Ouais, nous avons bouleversé là, nous avons coupé route et nous avons gardé route, nous déjà fait. Yo. Paysans sans lait, ils auraient été tellement contents. Et président, qu'a pris note de ça, la commune Kafou, son commune, qui plus à piller gouvernement ça malgré nous plus souffrir. Parce que le gouvernement n'a pas jamais pensé avec nous, mais quand même, nous toujours à piller. Ouais, je connais, c'est parce que nous connaissons à piller, parce que comme une fou pas jamais chaud, qui fait que si penser avec nous, nous baille magistrat bulldozer comme aide pour nous pour venir couper route dans la section communale nous avons vécu. Mais nous avons dit bulldozer pacifique, parce que bulldozer seulement pas couper route. Bulldozer qui font des choses et tout. Mais nous avons besoin de matopiquer, nous avons besoin de pelle excavatrice, nous avons besoin de gréder pour nous continuer à couper route là. Et regardez la route où passe la Guinée, c'est la route nationale qui sortit Kafou, qui a le bout avec Jacques Mel. C'est la majorité de monde Kafou. Passé, mon Jacques Mel passé, Kafou, il passe monter, mon qui n'a pas de possibilité pour prendre machine, c'est là qu'il passe à pied aller. C'est spécialement des gants et section communale Mona Chandel 1 à Mona Chandel 2, et qui ont un paquet de diaspora qui sont dans le monde, qui vivent à l'étranger, qui ont regroupé ensemble, ils ont formé Haïti Chéria. Ils ont enterré les gens qui mourent, ils ont enterré les gens qui sont malades, qui ne sont pas à l'hôpital, ils ont pris soin. Ou regardez que c'est des malheureux qui sont sortis, qui ne prennent pas soin dans l'hôpital Zikini, qui est très coûté pour nous mêmes paysans. Bon, nous ne pouvons pas faire nous ne pouvons pas faire nous ne pouvons pas. C'est grâce avec le groupement Haïti Chérien qui fait nous jouer tout privilège. Nous connaissons plusieurs sections. Il y a là, nous, Laval, il y a Coupeau, Malanga, Taïfé. Et je ne veux dire, qui côté Lavalier comparativement à l'autre côté ça yo, sacré te pour faire dans la zone nou que nous sommes cité là. Pour moi-même, Laval devant, qui a pris l'autre section, malgré où elle chantier là, Laval devant. Parce que grâce avec bulldozer, nous venons de couper route, mes motocyclettes commencent à monter. Avant, il y a des gens qui mourent au Port-au-Prince, nous venons yon pick-up malgré le doublé. Les potes moun nan vin là, nous chantons tellement dans l'église là. Ça veut dire ou nous commençons à faire effort par rapport avec une section, c'est à pied. On prend 8 heures de temps pour sortir Port-au-Prince pour marcher à pied pour aller. Kounya là, nous faisons effort
Alors grâce avec le gouvernement, peut-être vous pensez avec nous, nous déjà fait un grand effort là, les motocyclettes arrivent là avec malgré la route là, pourquoi nous? Parce que les routes nous pas couper parce qu'il n'y a pas de mato piqué. Parce que c'est wash, c'est minuit, nous avons besoin de mato piqué pour nous continuer à couper, pour nous avoir une possibilité pour plus émerger. C'est le moment pour adresser surtout à le ministre de la République là, et nous connaissons Cap Gado, Cap Tandola. Et sous et matériel que nous avons besoin. Puisqu'on dit que nous avons un bulldozer, nous avons besoin de mato piqueur. Et c'est sûr que nous avons besoin de compacteur tout pour faire travailler ça. Yo, et qui sont capables de dire à ministre de la République. Bon, femme nous bien, ici, nous faisons manger sous diffé. Wash diffé. Wash diffé, c'est trois wash qui me choisir. Si je prends le cas, ingénieur et Nader, l'aime parler comme ça, moi je veux dire, Nader, c'est un moteur dans le pouvoir. Son force liée dans le pouvoir. Je très saisi, moi, ingénieur Nader, pas aider nous dans ce sens. Et je connais son nègre qui travaille, je connais son nègre qui soucie des paysans, je connais son nègre qui travaille pour le gouvernement et résultat positif. Bon, pour faire là, nous fêter quand même. Nous faisons nous fêter. Et comme ça, nous toujours faire avec courage, nous tous ensemble, nous mettons mais nous bagarrer de port au prince pour nous arrêter depuis le moment fait là. Nous sacrifier vie, nous, malgré ce que cela dit. C'est tout ce moto a dit, il y a un côté qui pas bon, mais nous prenons quand même nous venir. C'est mon zone nom. Oui, c'est mon zone nom. Chaque fête ou venir ou bien plus souvent ou toujours là? Et mon zone nom, là, Kaïmoué, moi, c'est un Azek. Oui. Et dans le moment, ça n'a pas allé là, où sont Azek pour zone nom? Oui. Et bien, ensemble avec nous, non. Et en tant que fille, comment on est la vie, mesdames, dans le monde, non? Et sur le plan social, et nous t'as capable de dire, culturel, les gens t'as capable d'embrasser. Ah, pour nous, mesdames, nous pas jouer rien. Nous pas jouer rien, du tout, nous demander, nous pas jouer, nous chercher, nous pas jouer. Et nous t'as remis travail, nous t'as remis faire business, nous t'as remis faire commerce, tout côté nous chercher, nous pas jouer. Yo, fruit, nous, yo, baba, nous. Crédit, femme, pas fonctionner, tout côté nous chercher, nous pas jouer. Qui ça nous fait dans la zone ça plus mesdames pour nous capables de dégager non mais nous est-ce que c'est les produits que nous prenons nous mettons sous tête et descendre en bas et qui jamais mesdames yo vivent dans la zone ça et transport produits nous chercher nous vivre pour nous dégager nous pour nous jeunes pour nous bailler petite nous pas jeunes on pense un programme qui coûte mais nous regardons une petite passerelle sous grand rivière là nous mettre pour nous. Et parce que vous méchants, parce que vous aimez nous. Et parce que vous seulement voulez utiliser nous le moment électoral. Les n'a gardé pour nous ouais. Et également, les n'a gardé Napoué et gardez j'en ai pris là, vous mettez là, dans quand la matin, qui pas utile rien. En exemple, il était là, pas un monde qui a passé sous lui. Au lieu que vous bah nous le second rivière là. C'est parce que nous-mêmes, nous pas gardé nous pour le monde. Alors pour nous honnête ensemble, avant tout récemment là, je me découpe dans la fête Notre-Dame de Lourdes. Côté que machine m'a roulé nos têtes sous. Côté que mon monde qui mourit et mon quatre monde qui blessé et nous pas décourager toujours parce que nous-mêmes gens ouais nous là côté youn semblait l'autre et youn a partagé avec l'autre son coutume lié pour nous à chaque occasion ça nous profiter rencontrer toute famille nous yo parce que nous semblait parce que c'est paysan paysan c'est une raison que nous profiter si belle occasion ça pour nous dire l'état journée aujourd'hui à nous-mêmes dans commune Kafou qui est 13 sections communales qui dépourvues de tout côté 10 sections les plus équilibrées dans mon yo. Et faut me dire, tendance, monsieur, gagné depuis en 1982, depuis vous reconnaître Kafou comme commune, côté vous toujours réduit commune de Fontama 43 à bord de l'Omariani. Et oublié mon gars vivre dans mon yo. Et ou même comme journaliste qui monte ici, qui n'est pas mon ici, nous félicitons. Et l'on regarde le visage de mon yo qui vivent dans la section 1. On pense des gens qui viennent vivre dans yo. Mais par rapport à la misère qui a passé, la façon qui a souffri, mon yo grand monde rapide. Il y a des gens là au moins qui ont 40 ans, ou au moins qui ont 50 ans, ou grand monde. Parce qu'il y a tellement de potes chaises sous dos que la misère à manger, ou pas de route. Moi, c'est président fondateur de l'association jeune qui c'est HKEM, association des jeunes Kafou en mouvement. Alors nous créons l'association, ça c'est un souci et façon que nous voyons jeunesse Kafouaza lui-même la vivre à travers les sections communales. Côté que moi-même, moi son jeune, je suis obligé de quitter la section communale Laval pour me déplacer, pour m'habiter au niveau du centre-ville Kafou. C'est par rapport avec le manque d'infrastructure, par rapport avec l'école qui n'a pas de section pour permettre que je avance. Je suis obligé de quitter la section pour me habiter au niveau du centre-ville Kafou. Je ne veux dire, nous créons l'association, nous-mêmes, jeunes, nous tournons dans la section, nous disons que faut nous lever voir nous pour nous faire passer voir nous. Parce que si nous ne pas entendre nous,
pour nous font bagaille, la jeunesse a fini par oublier nous net en deux sections ça. C'est peut-être ça. Je ne dis à monsieur se parler d'un pile bagaille là. Problème mout n'a fait face. Tout ça qui n'a fait face. Moi, je m'absente sous décentralisation de une ville qui c'est commune Kafou. Je ne dis à la pour apporter possibilité, pour apporter moyen, bah, nous même petits paysans, pour nous capables de vivre en deux sections communales côté monde. Parce que je ne dis à en section communale, yon commune côté qui pas gain loisir, pas gain l'école, pas gain rien pour la jeunesse. Nous mêmes jeunes, si nous pas mettre tête, nous pour nous craser bête, nous pour nous dire que je ne jodi à la fois nous prenons leur direction. C'est nous mêmes qui pour aider paysans, maman, nous papa, nous pour nous avancer. N'a pas que y a fini, n'a fini que nous mêmes nous pas faire rien pour eux, yo même aller. Si t'as une possibilité pour nous mêmes en tant que jeunes, nous rester ici. Par exemple, pas après ici, t'as plutôt pour m'aller au niveau de cette ville Carrefour, côté que les pas qu'à voir les yeux sur moi, les pas gain coup d'œil sur moi. Ça veut dire c'est dans ce sens ça qui fait que nous dit yon décentralisation de la commune de Carrefour la vie nous permet que maman, papa, de plusieurs sous-petits parce que plus fort si moun ka l'habite rivière fois de Michel en bas, c'est un recite de son yon sorti. L'insécurité que nous vivons là, son bagay que yon manufacturé, fabriqué, créé. Insécurité à la fois économique et insécurité à la fois politique. Maintenant, d'abord le côté politique de l'insécurité. Ok? Moun qui mette insécurité politique là pour créer transition, c'est parce que li vle révoquer bulletin qui nan mon là, nous tout ça déjà là. C'est 60 nèg, 70 nèg, 80 nèg qui chita nan Marriott, nan hôtel Port-au-Prince, yo décidé à révoquer 6 millions bulletins de vote. C'est pas ou doit décider qui moun ki mette sous pouvoir. Son rejet du système démocratique. OK? Et insécurité politique en saute là. En même temps tout va regarder tout, origine insécurité politique là a fait touyer policier. Qui moun ki commencé avec culture touyer policier? C'est là où fin craser l'armée, ou songer, yo vinn monter toute si l'armée que nous connaissons, l'armée rapidement chère de la trier. Et puis, aspect économique, insécurité, c'est le plus gros aspect, c'est l'aspect économique de l'insécurité. Son seuil de bourgeois qui te compte piller l'État, dans blackout, dans gaz, dans dollars, dans importation, dans surfacturation route. L'État a campé piller ça yo, avec subvention ça yo. Elle dit que les négociés sont riches. Et des centaines de millions que nous avons fait dans l'opération ça. À peu près 6 milliards de dollars américains d'opération. L'on prend tout. L'on prend Jean nous avons fait dans Blackout. Blackout, en 13 ans, nous avons fait 3 milliards 900 millions là-dedans. Si facturation route là même, ce n'est pas parlé. Produits pétroliers, presque 4 milliards de dollars américains sous 10 ans. Manipulation goudlan avec banque que nous connaissons, c'est oublié ça. Donc ça veut dire que bon, si groupe économique dans le pays, a, qui t'a ramassé en 6 et 7 milliards de dollars américains, ils ont décidé, l'État a décidé que, si comme ça, le peuple a le bras de zone Goulia, sous forme de route, sous forme d'aéroport, sous forme de l'école ou de l'hôpital, ou bien barrage qu'a fait. Mais ils ont décidé, le système n'a pas dû changer. Ils n'ont pas financé l'insécurité pour faire coup d'État pour le système n'a pas. Pas grand encore, non, frère, qu'on a joué là. Donc, il y a deux insécurités. Pour une insécurité, pas même les insécurités, son projet politique de coup d'État qui est lié, qui a servi à l'insécurité comme outil pour arriver là-dedans. On bo, pour un secteur économique qui parle les systèmes n'a changé, a dit que tout côté où qu'on foué maintenant l'État, il faut continuer. Pendant qu'il a foué maintenant pour sous directement, d'expliquer ça déjà, comment il foué maintenant pour sous à travers de la diaspora avouée, comment il foué maintenant pour sous à travers, il faut payer et gallon gasoline qui te doit faire 11 centimes de bénéfice par gallon, il a fait 64 gouttes de bénéfice par gallon. Coup d'État est salié, insécurité est salié, pas grand encore non. Coup d'État, par rapport à la diplomatie, quoi parler là, bon, malheureusement, Il faut reconnaître ça, et l'affaiblissement de l'État a affecté nous au niveau diplomatique. Et Toussaint Louverture qui est un document diplomatique pour nous, qui chute pas sous trois grands principes. Premier principe, là, la promotion de la liberté et de la dignité humaine à travers le monde. Deuxième grand principe, là, la défense de nos intérêts nationaux. Troisième grand principe, là, le jeu des alliances. C'est ça que fait Toussaint en français, là, la gourmet pour une libération générale des esclaves, il n'y a pas qu'à venir traverser dans le camp espagnol. Là. Pendant le camp espagnol, là, il a négocié avec l'espagnol, et puis il a parlé anglais. Il dit, Toussaint Louverture était le diplomate de son siècle. Il s'était qu'on jouait ça bien. Nous-mêmes, je vous dis, fort. C'est vrai que avec diplomate béton, pendant 25 ans, diplomatie nous encrasé, il faut nous reconstruire là, il faut nous rebâtir, pour nous reprendre l'héritage louverturien de notre diplomatie. Diplomatie a un aspect économique, un aspect soulevé purement diplomatique, un aspect militaire à trouver là-dedans. Il faut mettre là-dedans tout. C'est cool, il y a nous commencer à rebâtir par Gaïsa. République dominicaine, il y a une stratégie diplomatique de 107 pages, document mettre sur compte Twitter, au regard de l'IKE, Abinader défini pour défendre les intérêts de la République dominicaine. Dans 108 pages, 109 pages, il y a 7 ou 8 pages qui sont en Haïti. Mais l'objectif, c'est pour exporter 4 fois plus en Haïti.
Donc ça veut dire pour écraser l'économie nous, pour mettre pied sous couyo, sous pied sous cou nous, et puis pour c'est eux même qui vendent nous, nous-mêmes nous pas produire. Pour dire quelle est la réponse des leaders politiques haïtiens qui voulaient pouvoir, qui voulaient président, qui voulaient chef dans le pays. Ou est-ce qu'il y a là-dedans qui sort un document de 100 pages qui dit voici la doctrine et la stratégie de la politique étrangère d'Haïti. Haïti Matéli a Jovenel Gourmet pour ministre Ali. Pour nous rebâtir l'armée, pour nous essayer de remembrer l'économie nationale là. Yo diminuer l'importation de zin en République Dominicaine de 57%. Y a mettre pompe à de l'eau pour nous faire production nationale. Qui n'est qui gros meilleur projet dans le leader politique yo? Et c'est ça, oui, la beauté des élections. C'est capacité pour venir du peuple là, moi même qui a fait rêve ou tourner réalité, moi qui a un plus bon plan. Mais yo plutôt prendre route, financer gang pour faire transition. Y a deux transitions rupture. Quelle transition rupture? Et bien, il y a beau plan sous pouvoir depuis 30 ans par réglant. Qui transition rupture? Qu'elle va le faire là? Qui refondation qu'elle va le faire là? Quel Ibassien de président chambre député, le président sénat? Qui ça le régler pour nous? Des rats président de l'Assemblée nationale, l'idée sénat de combien de fois? Qui ça le régler pour nous? Qui ça a régler pour nous? Tout le monde qui a parlé de transition. Mon ami Paul Denis, il était sénateur, il était ministre de la justice. Qui ça le quitté pour nous? Non, mais soyons sérieux. On est venu parler de rupture. Faut pas tenir pouvoir. Tout le monde qui a parlé de transition rupture. N'est-ce pas tenir pouvoir? André Michel, Serein, BMPAD, avec Patrick Norame et Nenel Kassi. De qui ça André Michel a parlé là? Et 80 millions dans Petro-Caribé écrasé. De qui transition rupture que monsieur a parlé là? Bah, grimace, que les gens ne pas poser aux questions. Afin de dire que vous avez 25 ans, vous n'avez pas de faire transition rupture là, et puis vous n'avez pas voter pour vous, et puis vous avez besoin de créer violence pour vous. Pour une promotion au pouvoir, pour y aller faire gagner, et puis y a deux transitions. Qui est-ce qui prend là-dedans? Kato là, qui il y a deux des autres Kato fait dans la caisse d'assistance sociale ou privée. Et puis ça vient parler de transition rupture. Tout nègre qui a parlé de transition rupture, il était sous pouvoir au moins pendant 25 ans. Au moins pendant 25 ans, il était gagné une position dans l'État. Chaque ministre, chaque secrétaire d'État, chaque Gadi Leblanc, tout nègre ça y est. Mon ami Gadi Leblanc, il était le président de l'Assemblée nationale, l'OPL, avec la primature et le gouvernement en 1995. Même fait formation pour un paquet de leaders politiques. Nous sommes déjà à l'époque, les nègres étaient bien contrôlés par le Parlement. Donc soyons sérieux, la valace des sous-pouvoir depuis 25 ans, de qui ça n'a pas les transitions rupture. Bon, t'es un bagage là, non, mon patrick, et puis on vient parler de transition rupture. État d'urgence, c'est vrai que c'est une mesure restrictive de liberté pour contrecarrer l'insécurité. Mais bon conséquence, mes amis, le palais de justice se trouve dans le champ de tir des soldats de l'armée. Moi, admettons que tu as une intervention contre l'armée Kounia là. Et puis, les soldats, ils sont cachés dans le coin des palais du Sta. Et ou même comme avocat, ou pas comme si négoté là. Et puis, tirer, point de sortir ou prendre cartouche ou mourir. Point de sortir ou prendre cartouche. Moi, je pose le problème pour me dire que le palais de justice doit être relocalisé. Alors, je pose ce message à l'autorité concernée. Je salue le doyen, je salue le commissaire gouvernement. Je connais qu'il fait un travail impeccable. Mais qui a fait effort pour rendre juste là fonctionnel. Même je lance ce message à vous, autorité. Il est nécessaire de penser au respect du droit à la justice, du droit d'accès à la justice de chaque citoyen. Il serait sage que vous relocalisiez le palais de justice afin de rendre fonctionnel le système. Parce que ça fait 5 ans qu'il y a grève, le peuple a fait 5 ans à souffrir et moi-même pas qu'à faire 5 ans à Pela. Ça avocat peuple là, nous sortons dans masse là, je dois défendre les intérêts de chaque haïtien, de chaque Timalé. Donc, l'important pour nous comprendre la nécessité pour retirer le palais du stade là, parce que nous ne pouvons pas mettre des nouvelles, nous mourir, nous ne pouvons pas mettre des nouvelles. Avocat prend balle, lui c'est à prendre balle, greffe à prendre balle, c'est dans ce sens là. Le cadeau, le collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme et M. Arnel Rémy sollicite ou bien exige de la part des autorités une relocalisation. Mettez-le en coup de contre le DA. Et ça, temporairement, et puis là, l'a calmé, n'a retourné en ville. Mais ça a facilité que l'assise fait, jugement fait, et tout le monde qui a vu un tribunal pour si vous êtes victime de l'infraction. Et bien ça, qui c'est coordination et sous question sécurité alimentaire, il fait une étude dans l'année 2020, résultat sorti en septembre 2020, côté lui, garder comment question alimentation la pied dans le pays, ils font projection. Donc 46% de la population étudiée et dans que CNSA qui c'est coordination j'aime dire nous nationale de la sécurité alimentaire, c'est lui-même qui ban nous des informations sur comment nous-mêmes pour nous capables d'arriver à agir sur question cantine scolaire là pour éviter
malnutrition, non seulement au niveau de l'école, mais au niveau communautaire. Dans le pays actuellement, il y a trois zones qui sont trois zones rouges et trois zones sales, c'est eux-mêmes que nous allons utiliser. Nous avons regardé notre tableau 1, nous avons le département, le nord-ouest, lui-même lié en rouge, selon le chiffre CNSAO. Nous avons l'ouest qui est en rouge et nous avons la grandeur qui est en rouge. Ça, c'est aussi la grandeur. Ça veut dire que nous avons. Et par la grandeur, le sud-est, excusez-moi, le département sud-est, qui est en rouge, tout ça c'est sud-est. Et ça c'est ouest, et là c'est nord-ouest. Ça veut dire que nous avons trois départements qui sont en rouge. Et c'est à partir de trois départements ça, nous pourrons commencer le travail pour, parce que c'est eux-mêmes qui gagnent urgence dans le moment. Jean répartition quand il n'a été fait au niveau départemental, n'a pas regardé dans le tableau. Hein? N'a pas vu que gagné pour l'année 2018-2019, mais comment ça a été répartition, j'en ai été fait. Nous avons gagné le sud-est et le sud qui va bénéficier de toi, qui c'est seulement 2%. Et ça nous est plus grand, c'est l'ouest. Et nous gagnons le nord-ouest, nous gagnons le nord-est, etc. Donc ça, c'est trois départements qui étaient beaucoup plus de déficits, mais c'est depuis 2018-2019. Pour 2019-2020, nous arrivons à toucher seulement 168 écoles. Ok? Que nous avons le travail pour nous capables d'augmenter l'objectif. Comment, qui ça nous baille dans le parti Mounio? Nous capables de suivre notre tableau. Hein? Et c'est la céréale. Et lundi la céréale, du riz, pois, et blé, etc., maïs. Et avec nous bail pois, nous bail et l'huile végétale. Et lundi l'huile normale, mais c'est l'huile végétale que, qui conseille dans la question de personnes scolaires. Là. Et puis protéines animales, lundi protéines animales, là, nous dit viande, nous dit morue, nous dit poisson, etc. Et puis, la question de fortification alimentaire, là, c'est avec celle iodée que et nous demandons pour tous les acteurs et même agir. Qui action que nous faisons pendant 30 jours ça? Pendant 30 jours que moi-même, Gina Guillet de la Tour, moi dans la tête PNCS. D'abord, nous avons des orientations. Que nous baillons des nouvelles orientations que nous baillons pour nous capables de redresser et quelques bagages en dedans institution. Nous prenons disposition pour trois départements que nous dédions, qui c'est nord-ouest, qui c'est ouest et sud-est. C'est dans eux que nous prenons le premier fait action depuis commencer semaine prochaine. Et nous prenons le SAPI devant que nous prenons lancer opération. Lundi lancer opération, ça veut dire nous prenons bail manger. Parce que y aurait les nous là pour nous venir bail manger. C'est manger, nous disons nous prenons bail, nous bail manger. Et semaine prochaine, nous commencer bail manger. Nous prenons notre disposition pour garder les gens administration les mêmes liés. Pour nous travailler, pour capable améliorer non seulement les conditions employées, et aussi conditions institution soutien là tout. Dans la question de fortification alimentaire, nous déjà réalisé plusieurs rencontres avec des acteurs qui travaillent dans la fortification alimentaire pour planifier des formations pour cuisinières et l'autre intervenant dans la question et cantine scolaire. Nous déjà travaillons sur standardisation ration alimentaire pour nous gagner une seule ration. Parce que chaque acteur qui souterrain a une ration alimentaire. Donc c'est vrai que une seule ration ne pas suffit. C'est ça que nous allons regarder. Nous allons regarder ensemble avec l'équipe qui a travaillé sur la question ration alimentaire pour rendre que ration est nationale et varier l'alimentation en fonction de besoin en fonction de ça qui est disponible dans la zone pour permettre que les moyens soient capables disponibles pour assurer que la question et variation dans la question alimentation est respectée dans la question de la cantine scolaire.
L'autre orientation que nous prenons dans la question redressement et PNCS, donc c'est nous réorganiser le système. Nan. Et déjà, il y a un peu de travail qui fait sur ça, dans la question organigramme institution, dans la question et contrat, régularisation contrat, c'est des actions qui déjà faites. Et pour régularisation contrat, yo, li en cours. Donc, c'est un processus qui n'est pas qu'au fini. Parce que là, son processus, li en titan, dans 30 jours, nous allons être fini. Donc, li en cours. Systématisation PNCS, donc je nous joins et ta situation. Depuis que je viens de faire une rencontre en ligne avec 9 antennes plus et Port-au-Prince, je ne pas arrivé à réaliser. Parce qu'avec COVID, là, nous utilisons la question de rencontre en ligne. Moi-même, j'ai 9 antennes, une antenne par département. Je ne pas arrivé à réaliser la rencontre parce que pas un système qui établi déjà. Donc, nous déjà à travailler sur ça pour doter chaque antenne ça yo et de moyens techniques et pour pipiti yon téléphone Android avec internet sous lit si nous besoin rapport kouni alarme carré le nord carré le sud pour le capable ban moi. L'autre action est que nous faisons dans cadre de redressement encore c'est reprise des relations avec et les partenaires. Nous connaissons PNCS par seule institution qui, parce que nous régulateurs, j'aime te dire, c'est deux missions. Nous là pour nous surveiller, j'en mange à bail. Et aussi, nous là, nous même tout, nous bail manger dans le niveau et l'école. Yo. Donc, nous déjà entamé des rencontres avec et les partenaires. Nous avons fait un atelier que nous avons fait la semaine dernière là, avec partenaires qui ont bien mangé dans l'école yo, pour nous redynamiser l'action. Et en ce qui a trait de partage de données, ça a déjà fait avec plusieurs institutions qui ont supporté PNCS dans la question et cantine scolaire. Là, nous déjà achevé. Sauf que il y a des institutions qui pour venir à nous-mêmes, que nous-mêmes nous prenons les verres. Parce qu'il y a des institutions qui ont bien mangé au niveau et national. Donc, c'est répertorié pour permettre que tout le monde agisse sous même longueur d'onde. Pour la relance des opérations, qui ça nous fait comme action? C'est nous travaillons déjà sur un plan de travail annuel. Mais comme l'année fiscale a déjà commencé, nous faisons sur reste année qui sont plans de travail que nous suivons. Pour permettre que l'action que nous avons fait pour entrer dans un plan, pour ce pas des bagages sporadiques que nous avons fait, c'est des actions qui planifient. Nous déjà travaillons sur un plan d'achat, parce que si nous avons pas mangé, il faut que nous planifions comment nous avons acheté pour ne pas acheter tant que nous fou. Donc nous déjà travaillons sur un plan d'achat, sur comment achat même nous avons fait pour approvisionner. Parce que yon bagay c'est que les mois entre PNCS et première visite moi dans dépôt PNCS c'est que moi pas joine rien comme manger ça fait un peu de commencer par manger déjà c'est moins qu'à planifier avec équipe moi pour nous pour nous approvisionner pendant période pas et puis pour nous capable arriver par manger et j'en nous dis semaine prochaine n'a planifié n'a pas manger semaine prochaine jodi a une grande occasion ça. Nous dans CTMPP, qui est le centre technique de soldation de la région métropolitaine de Port-au-Prince, qui est coiffé par l'eau et par l'ouest, ingénieur Raphaël Osti, qui est là dans 6 directions. Côté matin, dans la grande journée, ça, nous connaissons que la journée mondiale de l'eau, c'était dans le sommet à Rio en 1992, et il a été adopté le 22 janvier 1993. L'Assemblée générale des Nations Unies, Journée mondiale de l'eau. Et depuis lors, chaque année, 22 mars, est considéré comme Journée mondiale de l'eau. Et pendant toute période, il y a un pile sommet organisé et il y a un pile thème qui déjà débattent. Et année ça, donc, dans le sujet qui est actualité, ça veut dire pour être capable de commémorer Journée mondiale de l'eau, et bien c'est place de l'eau dans notre société
et qui j'aime nous protéger. Tout d'abord, nous pensons que quel que soit l'individu qui vit là, il ne peut pas vivre sans de l'eau. Et de l'eau lui-même, en partie, on ne peut pas avoir de l'eau, mourir. Et de l'eau, nous avons besoin de l'eau pour ménage, nous avons besoin de l'eau pour agriculture, nous avons besoin de l'eau pour tout le bagage. Mais nous-mêmes, plus précisément, dans le dîner pas ou dans cette technique d'exploitation de la région métropolitaine de Port-au-Prince, côté de la baie de l'eau. C'est une occasion pour nous dire, nous, aujourd'hui, vu l'importance que de l'eau a gagné, vu que de l'eau, eh bien, c'est un bagage qui est indispensable pour nous, nous demandons des gens pour ne pas gaspiller de l'eau. Nous demandons des gens pour fermer les robinets. Nous demandons des gens, les gens qui ont cassé dans la rue, eh bien, c'est relié à l'agent du Népal pour permettre que de l'eau soit capable de résoudre rapidement. Et pour permettre que la société a lui-même nous capable de une quantité de l'eau. Et journée aujourd'hui, nous pensons que pendant que nous avons fêté au okay, grand jour ça qui c'est journée mondiale de l'eau, et bien dîner par lui-même li au pas. Et nous disons comme ça que si toi avec directeur général nous qui c'est Guido Edouard, et bien côté très bientôt nous gagnons un projet nous gagnons avec BID, et bien que des lancements de travaux par le fait dans la région métropolitaine là. Côté nous gagnons des chantiers par le commencer pour permettre que bon c'est que directeur général là très bientôt là qui pour convoquer nous la presse. Pour le capable dire mes travaux ça, mais qui monde qui marche ça yo, et nous pas commencer marcher par exemple du côté de Vivi Michel, Mariani, Gérald Bataille, tout côté ça yo, pour nous permettre que monde yo capable gentil la caillou. Mais je veux dire ça qui attire attention tout le monde qui là, la presse, nous dans nous tout qui là pour message ça pour nous faire passer pour nous. Je sais j'ai il en clair vous dit d'aller, t'es un problème tête de l'eau. Et journée jeudi à côté n'a parlé des journées mondiales de l'eau et de l'eau et de l'assainissement tout ça. Pour nous protéger de l'eau, n'a pas des journées jeudi à gagner ça ou les dégradations de l'environnement. Dégradation de l'environnement, n'a pas des pour nous la pluie cap tomber là. Et moi c'est que très bientôt n'a pour nous font les pays à finir net avec la presse pour annoncer de côté pour nous montrer nos sous-nous. Journée jeudi à côté construction anarchique presque fait nous presque perdre tout sous. La vie qui a tombé là, et bien l'organe de bouée, c'est un bagage qui est lamentable. Et si nous ne sommes pas allés rapide du côté de tête de l'eau, et bien je vous dis avec la vie, ça va être nous avons quitté notre arrivée, réalimenter Pétionville. Donc, nous pensons que nous prenons des micros aujourd'hui, nous prenons des plumes aujourd'hui, nous prenons des gens qui parlent parler aujourd'hui, pour nous voir un gros coup de chapeau, pour nous voir ça nous relance si elle d'alarme avec gros instance dans l'État. Je vous dis pour l'État central là lui-même, pour le mettre du côté de la DINEPA, ministère des Travaux publics, et bien pour nous capables permettre que les problèmes ça. Par exemple, je dis, nous avons problème de périmètre de protection. Nous avons construit tout près. Offre nous arriver et tirer les gens dans le périmètre de protection. Les nous gardons pour nous, je dis, à pied bois, nous avons coupé tout pied bois. Et nous avons permettre que nous avons dit, les nous arrivons dans la période de TIA, par exemple, dans la période ça nous fait quitter là, nous des côtés, par exemple, nous avons sous mire, nous avons environ 22 jours pour nous prendre un réservoir de l'eau. Donc, je dis, nous ne parlons simplement pour nous fêter la journée mondiale de l'eau, pour nous dire mais qui est important ce qui est de l'eau gagnée. Mais aujourd'hui, c'est une occasion pour nous, chaque qui là, en tant qu'haïtien, et bien pour nous avoir signal ça aller. Parce que aujourd'hui, il y a un directeur qui est là. Il y a des études nous avons même fait aujourd'hui. C'est la rivière Moumans, côté qui sont projets qui sont étudiés, pour regarder pour nous avec l'eau. Juste la Moumans, à travers le parcours là, pour arriver à créer ça, un barrage, côté pour nous faire une propre turbine. Qui vous permet que nous capables de problèmes pour nous pas de problèmes au niveau d'énergie mais pour nous capables arriver et bien mener de l'eau dans Port-au-Prince pendant ce temps que sous ça nous gagne la journée aujourd'hui nous pensons que dans journée ça et bien nous dit avec la presse attendez bien nous tous ici c'est nous redire encore en nous tous faire message ça véhiculer pour nous capables dire moun yo si nous pas protéger de loi et bien ça va nous permettre pita pitrice même ça se passer dans Pétionville là les capables passer du côté de Pétionville nous gagne l'autre source. Il est capable de passer tout dans la zone de Carrefour, côté de là, nous avons plus de soucis de l'eau. Côté de l'eau, il y a un problème. Et bien, laissez-nous ne pouvons pas capable la population de l'eau. Laissez-nous pas nous avoir. Pour le prince, il y a 4 régions, Pétionville, Delmar, Carrefour, et Cité Soleil, et puis Tabar. Chaque région, ça y a un mode d'alimentation. Delmar lui-même, c'est plus forage. Carrefour, c'est source. Pétionville, c'est source. Et pour le prince, c'est source. Mais j'ai dit qu'il y a ce que tu expliquais tout à l'heure. Le problème que nous avons confronté, c'est l'environnement. Pays. Le APD déboisé comme ça, toute notre décharge n'y a pas qu'à remonter normalement pour nous faire là. C'est pour ça que l'alimentation normalement pour le faite de façon fluide, nous obligé de faire des jeux de vannes
sur le secteur qui fait que il y a des gens qui des fois qui gagnent 2 heures de temps, des gens qui gagnent 3 heures de temps, et des gens qui des fois c'est 1 heure de temps que vous gagnez par rapport avec les ressources qui existaient. Quand pour Pétionville, c'est un côté qui les ressources qui sont très faibles. C'est presque 2 sources, il y a 8 sources, mais par rapport à la configuration région, chaque source alimente un point. Quand on roule, il y a 3 sources, ou Pétionville gagne 2 sources, bas Pétionville gagne 2 sources. Ce qui fait que le mode d'alimentation, j'en ai fait là, c'est presque 1 heure de temps, 2 heures de temps en fonction du point qui est alimenté. Mais pour ça, je n'ai pas les points, je dis à l'affaire, journée d'alimentation de loi. C'est encore une fois, ce n'est pas l'homme qui a tiré. Parce que zone que nous avons qui est fragile, quand on est fou, nous avons un tunnel qui est dans le flanc monde. Ce sont des zones qui sont très fragiles. Lorsqu'on fait abattage d'arbio, nous avons un problème sur la structure des eaux qui passe tout le long de Kaimonio, qui fait que Mounio quand on intervenu sur lui. Et nous profiter de la possibilité ça pour nous capables de tirer ce nec dans l'âme encore une fois. J'ai un directeur à se dire, lorsqu'on a que de l'eau gaspillée dans la rue, Réline 59-59, allez t'éteindre qui s'est dit les baillons, dire que de l'eau gaspillée. Si on a un côté que bon problème que par comprendre, l'île son ligne qui est ouvert, l'île là c'est une ligne d'oléance, relé de façon à ce que nous-mêmes, beaucoup de panneaux intervenus. Parce que l'île on tige en nuit, lorsque nous connaissons que la disponibilité a existé pour nous, et puis quelque part, bon côté, bon l'autre monde qui monte sur les réseaux, cap font piquage, et puis pas derrière, voisin, bon côté de la PAC à Gendlo. Or, nous-mêmes, nous travaillons de ressources, et ces ressources qui permettent que le système alimenté. Déjà, nous produisons presque 130 000 m3 jour, et le système a besoin de plus de 250 000 m3 jour. Et nous mettons 9 forages additionnels sur le système qui valent 32 000 m3, mais toujours insuffisant. Et c'est peut-être ça que des études, comme directeur, ce que tu as parlé là, de moments qui ont une capacité qui est 3 fois supérieure que ça qu'on a besoin, n'a pas comment être capable d'intégrer moments dans le système pour nous être capable de répondre avec besoin MPPA, c'est-à-dire des régions métropolitaines. Parce qu'en dernier étude, il y a une capacité pour couvrir toute région, mais avec des travaux qui sont vraiment colossales pour nous capable d'aller exactement là, satisfaire besoins primaires. Et abonnez. Nous sommes vraiment contents pour nous, avec la presse, nos journées, tout coup, 22 mars, qui c'est journée internationale de l'eau. Et thème, en harmonie avec thème, nous connaissons l'eau à une place, l'eau à une place dans la société. Et c'est dommage, nous pas gagner et administration qui t'a dit nous, coût de fonctionnement pour nous produire de l'eau, pour nous mener la caille client. Donc, il faut que les clients payent les services. Maintenant, tout le monde est capable de garder sous facture. Il y a une date d'exigibilité qui est inscrite sous lit. Donc, on a profité de l'occasion pour demander de respecter cette date. Ça permet que nous sommes capables de planifier et si on respecte, et ça fait nous gagner un bon travail de planification qui fait pour nous capables d'acquitter nous de frais de fonctionnement yo, et pour nous avancer avec. Bay de l'eau qui gagne place dans la société. N'a demandé tout le monde qui besoin gagne un branchement de l'eau la caillou. Pas contacter un tiers personne qui pour baoul parce que le piquer réseau a c'est pas métier bay branchement yé mais son bagage la fait dans fraude le ça de l'eau ça l'entrée qu'a contaminer toute en population et puis voyez monde l'hôpital monde qui a perdu la vie autour. Donc c'est pour nous faire ça en bon citoyen aller dans bureau. Et puis, on a pris de l'eau nous et on a payé facture nous. Et payer de l'eau, son devoir citoyen. Pour nous cap plus près clients, nous avons deux mesures que nous prenons très bientôt. Et tout client est capable d'utiliser téléphone comme porte-monnaie et a capable payer branchement électroniquement. Ensuite, nous avons un projet pour nous ouvrir une agence, une sous-agence à tabac. Et le SAA, tout client qui est dans la zone Claircine, Tabor et Bamaïgaté est capable d'utiliser sous agence ça pour être capable de payer facture. Pour ce même de 15 jusqu'à 21 mars, nous avons recensé un total de 31 accidents qui baillent en fait, 82 personnes qui victimes, qui parmi victimes, mais 71 blessés. Il y a 11 personnes qui mourent sur le champ. Mais même temps, tout que et rapidement gagné, pendant parler avec le directeur de l'hôpital et Notre-Dame de Petit-Gouave, gagné en évolution parce que
il y a un monde qui était blessé grave qui mourit devant le jour matin. Donc on a dit que le bilan a changé, c'est 12 monde qui mourit. Bon, il y a d'autres monde qui n'a pas mourir sur le champ, mais nous toujours avons tendance à considérer sur le champ et jusqu'à 24 heures après l'accident, depuis l'information que le monde n'a pas survivre, nous rentrons dans le bilan et nous modifions le bilan. Donc zone qui gagne. Plus accident, c'est au moins accident qui est grave. Jérémy a eu deux graves accidents. Nous avons eu dans le château, Jérémy. Nous avons eu dans Jebo, zone Jebo, toujours dans le grand dans Jérémy. Donc, nous avons 32 et un grave accident. Selon nous, dans la petite ville, dans la petite ville, et un accident. Kafou Marassa. Nous croyons que tout accident a cité là, yo. C'est un accident de motocyclette impliqué dans l'accident. Nous avons d'autres accidents, par exemple, nous avons un accident de pompier vert dans Saint-Marc, son camion qui est tombé en bas pont. Miragouane, nous avons un grave accident, c'est le Rhin 2. Gonaïve, un accident d'ailleurs qui a accompagné dans l'incident, dans l'autre incident grave dans le commissariat. Et puis, nous avons un accident qui passait hier via l'air. Et je pense que c'est de ça où tu commences à parler là, parce que malheureusement, l'activité rara, c'est sur route que vous faites. Et malheureusement, surtout pas gagner 15 solutions pour sur route que l'activité rara va le faire. Si vous obligez de faire sur route, là, pas qu'à gagner des solutions pour. Donc c'est pour ça que nous avons un grave accident. Et mon médecin qui mourit devant le jour là, c'est un homme qui est impliqué dans l'accident. Ça va bien que l'accident, ça pour col. By 12 personnes qui sont victimes, il y a 11 blessés et il y a 1 qui mourent. Qui a ça fait pendant la période rara? Habituellement, on ne connaît pas mettre de clignotants, pas gagner de panneaux qui indiquent que rara sur route là. Et ça qu'on fait machine qui mettre vitesse très sous banyo. Comment ça arrive dans Via Lé? Un cas où que c'est accident, ça c'est un accident qui fait dans la soirée. Pendant l'activité rara faite, et j'en signale là, pas avec clignotant seulement, non, pas avec aucune disposition qui prend, pour que l'activité a fait sous route, parmi l'activité rara, bon, Bastien rara, c'est dans les organes, c'est Tigouave, c'est la Tibonite, mais où c'est sous route, il y a tout fait, mais pas avec aucune disposition qui prend, et c'est chaque année le fait, chaque année nous tous connaissons le rara, nous tous connaissons qui est pas plus fait, nous tous connaissons l'accident qui fait, mais pas gagner de disposition qui prend nous-mêmes, seul ça nous a fait bon côté par nous, c'est faire sensibilisation, et ça fait nous toujours remercier qui nous opportunité pour que nous ne fassions pas. Il fait qui demande au moins monde qui a organisé rara, au moins municipalité, pour les dispositions. Accident qui fait via l'air, c'est une machine qui a rentré sous foule là, même bien comme ça, habitué fait. Et il y a des fois qu'on bail plus victimes. Il y a des victimes d'accident, mais il y a des gens qui n'ont rara, qui ont passé des chauffeurs qui a. Qui veut même tout y est, donc il y a des cas comme ça. Et donc, c'est la même situation chaque année. Et donc, mon victime d'accident, mon travail était courant avec eux dans l'hôpital et Notre-Dame-Tiguave. Et là, quand on coupe chapeau pour le directeur, le docteur Fred Jasmin, qui lui-même n'a pas si parlé, toujours mobilisé pour recevoir éventuellement des cas. Et c'est ça qui fait que hier soir, on était en mesure de recevoir 12 cas, 12 personnes qui sont victimes. Donc, reste sur sauver la vie, mais il y a un qui n'a pas survivre de blessures, qui mourit. Et ça va nous au total de 11 personnes qui sont blessées et il y a un monde qui mourit dans un seul accident. Et si pas les dispositions qui prennent, pas étonnant que ma vie, je continue à parler, même bagages, ça a constaté les dégâts. Nous-mêmes, et c'est ça qui fait que nous profiter de l'antenne pour que nous lancer appel à l'autorité. Parce que même si nous ne pas résoudre, même si, alors, meilleur bagarre, c'est résoudre la question de sécurité routière là, et nous toujours dit ça, c'est un bagarre qui a résoudre. Je dis, alors, n'importe quel responsable qui a pris leadership là pour convoquer, pour recommander, solliciter au conseil des ministres, que ce soit ministre des travaux publics, ministre de la santé publique, ministre intérieur, ministre de la justice, DG de la police, ministre. Bah, on est donc pour que nous résoudre le problème là, parce que tout, si que nous fait conseil des ministres pour déclarer urgence pour l'autre qualité bagaille, pour question de sécurité à ZAM, que c'est
important, c'est urgent. Pour question coronavirus, c'est urgent, c'est important. Mais il y en a, ça ne va pas causer autant de dégâts que l'accident causé. D'ailleurs, accident, nous pas même connaître qui quantité de dégâts. Je dis semaine ça où est autant de que 11 personnes qui mourent. Nous avons 12 ans, 12 personnes qui mourent dans la semaine. Là. Mais bah oui, que stop accident par présent. Dans toute section communale, il y a un accident qui fait nous pas au courant de eux. C'est-à-dire que le pays a perdu le monde et l'on a le profil mondial de toujours dit c'est des jeunes. Donc, et puis nous pas porté solution à problème. Donc même si nous pas porté solution à problème là, de manière formelle, normale, mais même si de manière ponctuelle, par exemple, pour période rara, seulement en attendant, parce que nous comptons ça pour nous faire pour nous empêcher l'accident pour période rara. Parce que c'est rara, activité rara, bon, le fait, il fait ton côté. Donc, juste pour disposition pour ça. Nous, juste mettre des mounes, par exemple, des mounes qui a vendu pour faire machine ralenti depuis devant. Justement, ou prendre des actions ponctuelles par rapport à ça. Pour diminuer, ou t'as qu'à sauver la vie, mounes, ça. Donc c'est nous-mêmes, c'est ça le café. Donc, à lancer appel là, et autorité, on doit prendre disposition. Parce que, rara pour qu'on finisse. Année ça, nous avons un accident toujours, un grave accident. Si nous pas prendre disposition, on va dans la Tibonite bien même bagala, dans les Ogana bien même bagala, et ça. 1er mai 2021, tu as une date limite pour soldats américains qui quitté le pays Afghanistan. Mais jusqu'à présent, rien pas confirmé. 2500 soldats américains qui sont sur le sol Afghanistan ont retourné dans le pays États-Unis 1er mai. D'après Joe Biden, la difficile pour aucun accord été signé sous président Donald Trump l'an qui commandait des passages. Accord président Donald Trump été signé en pas bien négocié. Il y a une discussion qui a fait entre alliés gouvernement américain et gouvernement afghan. Il a pris une décision avant longtemps. C'est dans le mois de février 2021, président Donald Trump a signé un accord pour rester troupes américaines qui quitter le pays Afghanistan. C'est gouvernement américain, Afghanistan et puis Taliban qui ont adopté un accord. Mais le président Afghanistan, Ashraf Ghani, a résisté. Pour lui, soldats américains ont dû rester dans le pays Afghanistan toujours. Dans le pays, Washington reproche Taliban et Olidi qui n'a pas décidé de diviser un groupe djihadiste. Taliban, c'est un groupe islamique qui occupait Kaboul, capitale pays Afghanistan. Pour quelques pays tant qu'aux États-Unis, Taliban, c'est terroriste. Dans un communiqué, Taliban ont menacé à bien complication si soldats américains n'ont pas quitté le pays Afghanistan. Objectif Joe Biden, c'est relancer le processus de la paix à l'échelle mondiale. Pour lui faire ça, Joe Biden a compté sur aide de la Russie. Il y a diverses négociations qu'a fait pour ça. Je crois que vous avez déjà eu le contenu de mon message tout à l'heure. Parce qu'avec l'énergie et l'élégance des dames, on a constaté qu'il y a quelque chose d'essentiel dans ce pays. Et la réflexion que je me faisais personnellement, si les dames étaient aux commandes, peut-être qu'on n'aura pas dit la police, peut-être qu'on n'aura pas Jimmy Chérizier et autres. Parce qu'elles ont beaucoup d'énergie et beaucoup d'intelligence. Félicitations, mesdames. Monsieur le ministre, honorables membres du corps diplomatique et consulaire, mesdames, messieurs, chers amis de la presse, nous nous réjouissons de vous retrouver cet après-midi pour la célébration de la Journée internationale de la francophonie. Au regard du contexte sanitaire mondial et sécuritaire national d'Haïti, nous n'avons pas voulu organiser une fête à proprement parler, mais des retrouvailles réflexives pour opiner de façon conviviale sur un sujet d'importance majeure qui tient à cœur à notre organisation et à notre secrétaire général, Mme Louise Moshipiabo. Je veux nommer le sujet de l'égalité homme-femme. Ce sujet prouve, s'il en était encore besoin, que l'OIF est une organisation qui, certes, s'occupe de la promotion de la langue française et de la diversité culturelle et linguistique, mais aussi se singularise par la défense d'un certain nombre de valeurs, des valeurs humanistes de paix, de solidarité, des valeurs de démocratie, les valeurs de droits de l'homme, les valeurs liées à l'état de droit. Comme l'a dit récemment un ami, un Québécois, c'est Haïti qui est l'auteur de la première manifestation de la solidarité francophone à l'échelle mondiale. Car c'est le vote d'Haïti qui a permis de lever la langue française
au titre des langues officielles au niveau des Nations Unies. Hommage à Émile Saint-Lô, de regrettée mémoire, qui a fait ce vote en 1946 et qui permet aujourd'hui de compter le français parmi les langues des Nations Unies. Donc Haïti a démontré, avant même la création de la francophonie, un exemple de solidarité sur le plan international. Haïti, avant même cette date, s'est singularisé particulièrement en acceptant de donner la nationalité haïtienne à des gens qui ont été peut-être persécutés ailleurs et qui se sont retrouvés encore sur le territoire haïtien. Certains, comme l'écrivain algérien Kateb Yassine, repris par l'académicien québécois d'origine haïtienne, Daniel Laferrière, parlent du français comme un butin de guerre pour les pays colonisés. Ainsi, il y a 51 ans exactement, soit le 20 mars 1970, au Niger, la francophonie allait être institutionnalisée par la création de l'Agence de coopération culturelle et technique, devenue aujourd'hui Organisation internationale de la francophonie, OIF. Aujourd'hui, la francophonie est composée de 88 États et gouvernements membres. D'après les chiffres officiels, le français est parlé par plus de 284 millions de locuteurs. Il y en a qui disent 300 millions. Ce qui fait de la langue, que le français est la langue la plus parlée au monde. Haïti occupe une place de choix dans l'espace francophone. Haïti est ainsi le seul autre pays des Amériques avec le Canada où le français est l'une des langues officielles. Haïti est aussi l'un des membres fondateurs de la francophonie et de beaucoup d'organismes francophones. Les Haïtiennes et les Haïtiens ont pendant des décennies contribué à la diffusion et à l'expansion du français dans le monde, tant à travers la production d'œuvres françaises que grâce aux effets des migrations diverses au Canada, en Europe, dans l'Afrique francophone et ailleurs. La culture est un des domaines phares, un des poteaux guittants de la francophonie. On parle ainsi d'un patrimoine commun, moral et linguistique. La langue, qui est une manifestation de l'identité culturelle, le français, dans ce cas précis, est le ciment de cet ensemble. Pour beaucoup de pays, cette langue commune coexiste avec beaucoup d'autres, plusieurs langues. L'OIF elle-même reconnaît et respecte la diversité culturelle caractérisant l'espace francophone. Le ministère dont je suis le titulaire collabore étroitement avec l'OIF. Ainsi, dans le cadre de l'appui que l'OIF fournit à ses États membres pour la formulation et la mise en œuvre des politiques culturelles, sa direction de langue française, culture et diversité a sélectionné à la suite à un appel à manifestation d'intérêt, le programme de développement des industries culturelles et créatives, PDICC, présenté par le ministère de la Culture et de la Communication, pour bénéficier d'un accompagnement technique et financier pour la période 2020-2022. Ce projet vise à renforcer un système durable de gouvernance du secteur culturel en Haïti. Le ministère de la Culture et de la Communication collabore aussi avec certains États membres de la francophonie de manière bilatérale sur plusieurs projets. C'est le cas, par exemple, de la Suisse et de la France. Le ministère de la Culture et de la Communication souhaite poursuivre ces diverses collaborations et même en développer d'autres, que ce soit avec l'OIF et avec d'autres États membres. Nous pensons justement que l'après-Covid-19 représentera une opportunité pour la francophonie de se renforcer et de se renouveler autour des actions pour la préservation des biens universels que sont la santé, l'environnement, les droits de l'homme, mais aussi la culture dans sa pluralité. Mesdames, Messieurs, il me plaît vraiment d'être parmi vous ce soir, je l'ai dit, pour célébrer la Journée internationale de la francophonie, inscrite cette année 2021 sous le thème « Femmes francophones, femmes résilientes ». Pour ce qui me concerne, comme il a été mentionné précédemment, c'était aussi une rupture de vie. Véritablement, on en guérit, hein, je vous rassure. Mais c'est une rupture, si ce n'est qui finalement me mène ici ce soir devant vous. Je vous remercie de votre présence. Et donc dans cette trajectoire, une trajectoire qui m'attache à Haïti comme universitaire francophone de fait, et plus simplement finalement comme être humain, cette trajectoire, elle repose sur des personnes qui ont fait que, voilà, un jour, pour une raison que je ne connais pas, véritablement, je suis apparu sur le radar de ce prix que je suis très honoré de recevoir.
Mes premières incursions en Haïti remontent à 1988-1989, ça commence à dater, grâce au professeur Bernard-Louis Pinet qui suivait ma thèse de manière patiente. Évidemment, c'est lui qui est responsable d'une sorte de contamination que j'ai acquise à l'époque et dont je n'ai pas pu me débarrasser depuis. Le virus est resté en dormance pendant quelques temps, jusqu'à l'an 2000 à peu près, où j'ai été contacté par Yolaine Surena, docteur Yolaine Surena, qui dirigeait la toute jeune protection civile à l'époque. Et c'était le réveil du virus. Après ça, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler en Haïti de manière très proche avec le Bureau des mines et de l'énergie. Je remercie ses directeurs généraux successifs de nous avoir fait confiance, tout particulièrement Claude Préti, qui est le directeur général actuel, et les ingénieurs et les techniciens qui nous ont permis de mettre en place un programme de recherche scientifique sur plus d'une dizaine d'années, qui nous a permis, en fait, dès 2007, d'envisager, malheureusement, disons-le, le scénario terrible du 12 janvier 2010. Le séisme m'a transféré en Haïti comme scientifique, effectivement. Et voir, je me souviens encore de mon atterrissage à l'aéroport, je vois la piste en face de moi. À une époque où on n'avait pas le droit d'atterrir, c'était un peu compliqué, je vous passe les détails. Et j'avais été accueilli à l'époque par Abel Nazaire, Diocène Anglade, Bernard Fils-Aimé qui dirigeait la Fondation Voilà à l'époque, Gérard Laborde. Et ils m'ont permis de fonctionner dans ces premières semaines un peu post-apocalyptiques. Et puis commencer à comprendre, à entrevoir des leviers d'action dans le chaos général. J'ai pu travailler ensuite au cœur du système de gestion des risques et des désastres d'Haïti. C'est une expérience qui m'a, comment dire, ouvert les yeux sur le business du développement. Et j'ai eu comme mon mentor Catherine Montpoint, Thomas Pitot, Alta Jean-Baptiste. Et dans ces mêmes fonctions, j'ai eu un grand plaisir à travailler avec le ministre de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales de l'époque, Paul-Antoine Bien-Aimé, qui est universitaire lui-même, et qui un jour m'a dit « Mais monsieur Calais, vous vous êtes fondu dans le décor ». Alors j'ai jamais compris si c'était un compliment ou de l'ironie, mais bon. Je suis spécialement heureux de la distinction qui a été accordée à Éric Calais, parce que Éric Calais est en effet un très bon exemple de ce que peut être la francophonie. Autour de lui, vous le savez, s'est créée une équipe de jeunes chercheurs haïtiens de haut niveau, des gens qui ont passé leur doctorat en France et qui désormais nourrissent une science autochtone, une science haïtienne, sur toutes les sciences qui sont liées à la Terre. Donc ça, c'est vraiment un exemple, je pense, de ce qu'il faut faire. Et c'est un exemple que nous essayons de dupliquer dans d'autres domaines, avec des bourses de doctorat, dans des secteurs très divers, et avec l'appui des partenaires haïtiens, comme la Banque de la République d'Haïti, mais aussi la francophonie universitaire, l'association universitaire de la francophonie. Donc nous essayons de faire émerger des talents académiques haïtiens, et les flux étudiants avec la France se sont maintenus et se sont même développés en dépit de la situation. En dépit de la situation. Donc nous travaillons beaucoup la France, mais je sais aussi les autres partenaires de la francophonie, pour renforcer ces liens intellectuels, ces liens universitaires, avec l'espoir, bien sûr, que tous ces jeunes talents haïtiens rentreront au pays pour que la société haïtienne puisse bénéficier de leur formation. Alors, je ne veux pas être trop long, mais la francophonie s'illustre dans d'autres domaines. Nous avons lancé déjà des formations de professeurs. Nous allons former des professeurs dans divers domaines, notamment dans le domaine du français et de l'articulation entre le français et le créole. Et avant la fin de l'année, j'espère que nous allons lancer encore un programme plus vaste de formation des enseignants. Donc ça, c'est une francophonie qui est active, qui est pratique, qui est concrète. Et puis, je ne veux pas évoquer tous les domaines, ça nous prendrait trop de temps. Mais je ne peux pas passer sous silence
la récente mission de contact et d'information qui nous a été envoyée par, par l'OIF, où vous avez de hauts responsables de l'OIF qui sont venus voir en quoi l'OIF pouvait aider, si elle pouvait aider, et en quoi elle pouvait aider les Haïtiens à trouver les voies pour sortir de la crise politique actuelle. Donc tous ces experts sont venus, ils ont eu des entretiens très riches, sont repartis, j'espère qu'il en découvrira quelque chose de positif. Donc vous le voyez, la francophonie s'exprime de manière très concrète, elle s'exprime en faveur des Haïtiens, notamment des jeunes Haïtiens, et avec votre appui, nous continuerons à travailler dans ce domaine et à creuser ce sillon.